suis avec la personne qui du coup a fait toutes ses scénographies, toutes ses chorégraphies, tout ça. Donc je vais le laisser se présenter et puis du coup après on va lui poser quelques questions. Bonsoir. Bonsoir, bon merci beaucoup encore, c'est la deuxième fois qu'on est avec vous. Bon, je m'appelle Vaguinho, je suis maître de capoeira, le responsable des cours de capoeira dans l'association Cendrella Bayacho, groupe Ochos et France. D'accord, alors depuis quand t'es venu l'envie de faire de la capoeira? Et depuis que j'ai commencé la capoeira, j'ai jamais m'arrêté. Et à 22 ans, je suis arrivé en France pour développer la capoeira ici en France. Ok, et comment est venue l'idée du coup de créer? Est-ce que l'association était déjà créée ou est-ce que c'est toi qui l'a créée l'association? Alors la capoeira, c'est pas des, en fait, à la base, c'est pas des associations, c'est des écoles, des groupes de capoeira. Et notre groupe de capoeira avec mon maître, Mestre Indio, c'est une école qui s'existe depuis 55 ans. Et elle est partout dans le monde. Et j'ai eu l'occasion de travailler au Brésil avec une association franco-brésilienne. Et c'est grâce à cette association que je suis venu en France pour développer la capoeira, installer la capoeira ici en France. D'accord. Et depuis combien de temps du coup le club existe sur l'agglomération? Bah, on a fêté notre 17e événement. Voilà, ça fait bientôt 18 ans que le groupe existe en France.